Par ici, petit fantôme, montre-toi. Rien du tout, on ferait bien de... Je vous avais prévenu. Oh mince. L'horreur au-delà de la compréhension vous attend. C'est vraiment un fantôme. Préparez-vous à me rejoindre dans les profondeurs. Pas encore. Vous auriez dû partir. Et toi, tu n'aurais pas dû revenir. Je crois qu'on vient de gagner l'accès gratuit à la télé. Imbécile, laissez-moi sortir, je suis votre dernier espoir. Attendez, je la connais cette voix. Carl avec un C. Je le savais. Il est de mèche avec son frère Carl avec un K. Ils prennent 50$ d'avance à leurs clients, ils leur promettent un petit déj gratuit et ils leur font peur pour qu'ils s'enfuient dans la nuit. Oui, c'est vrai, je l'admets. J'ai essayé de vous faire peur. Et j'y serais arrivé s'il n'y avait pas eu ce gamin qui se transforme en alien. Mais je ne travaille pas avec mon frère. J'essayais seulement de vous sauver de son plan diabolique. Très jolie histoire, Carl avec un C. Mais c'est raté, nous restons et il n'y a rien que vous puissiez dire ou faire qui nous fera... Toutes mes félicitations. Vous avez gagné des petits déjeuners gratuits. Malheureusement, ce sera votre dernier repas. Ouais, en réalité, vous êtes quoi exactement? Un monstre qui ne dort jamais. Évidemment, m'essayer à la magie noire m'a transformé en monstre et a transformé mon frère en fantôme. Oh, qui aurait pu le savoir? Je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est vous le petit déjeuner gratuit. Normalement, je dirais que je vous l'avais dit, mais j'ai trop peur pour l'instant. C'est le moment de choisir le bon alien, Ben. Le petit déjeuner est servi. Bien tenté, la créature végétale, mais ma faim est trop forte. Ben est en difficulté. Carl avec un C. Mon frère, il est temps de me rejoindre. Non, pas question. Carl, tu ne dois pas jouer avec des objets tranchants. Le globe, c'est la source de son pouvoir. Attention, chaudement. Nous devons aider Carl avec un C. Carl, accrochez-vous, on va vous aider. Mais vous l'avez déjà fait, allez bon vent. Les enfants, il faut y aller. On s'en va maintenant. Waouh, hein. Eh ben, à vrai dire, ça m'ennuie de voir cet endroit disparaître. On dirait que tu as surmonté ta peur. Ouais, on dirait bien. C'est marrant, quand on pense que l'excès de confiance peut provoquer autant de problèmes que la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que tu en penses, grand-père? Tout ce que j'ai appris, c'est que le petit déjeuner gratuit, ça n'existe pas.